Bonjour à tous, les copains coquins. Je tenais à vous parler d'un jeu qui a fait couler beaucoup d'encre. Je voulais vous parler de Sekiro. Ce titre est souvent considéré comme le Soul-like le plus difficile qui existe. C'est un peu le roi des Souls, à juste titre. Alors pourquoi une telle réputation? Eh bien, nous allons voir ça ensemble. Déjà, pour commencer, Sekiro est très nerveux et dynamique. Du coup, nos réflexes sont mis à rude épreuve constamment. Ensuite, c'est un jeu où tu restes dans ton plus simple appareil, c'est-à-dire sans changer une seule fois d'équipement, ce qui te permet en général, dans les jeux, d'être plus fort contre les boss ou les trash mobs, et tu n'as pas la possibilité de monter en level pour faciliter encore une fois ta progression. On connaît tous ce copain qui est parti farmer des mobs en boucle pendant des heures et des heures pour être 10 fois plus fort qu'initialement, pour revenir ensuite tabasser un pauvre boss qui lui n'a pas évolué depuis sa première rencontre. Dans Sekiro, tu ne peux jouer qu'une seule et unique classe, c'est un corps à corps. Et on le sait, beaucoup aiment jouer la magie pour se faciliter le travail, car à distance, en règle générale, tout est bien plus simple. Dernier point et pas des moindres, on ne trouve aucune invocation pour te venir en aide. Que ça soit des PNJ alliés ou des autres joueurs physiques, personne ne t'accompagnera pour te prêter main forte. Tu restes seul avec toi-même. C'est à cause de tous ces détails que je me suis lancé dans l'aventure, si vous voulez. J'étais à la recherche d'un défi ultime. Je voulais un challenge digne de ce nom, sans avoir la possibilité de truander le jeu. Je venais de tenir en échec il y a quelques mois, comme à l'instar de sa grande sœur de 2018, Gna, qui est la reine des Valkyries de God of War Ragnarok. Je l'ai fait en mode de difficulté ultime, le mode God of War avant tout, et uniquement qu'avec les lames du chaos, sans utiliser de hache ni de lance. Il m'aura fallu de très nombreux essais pour y arriver, 1000 pour les citer, hein, et beaucoup d'heures à transpirer, mais ça m'a endurci. Je me sentais donc prêt pour l'aventure avec notre shinobi solitaire. Sekiro est punitif et exigeant. La moindre mort répand une peste qui peut tuer des PNJ et te bloquer l'accès à certaines quêtes. Il faudra rapidement prendre en main le mécanisme de déviation parfaite pour monter la barre de posture des ennemis et ne pas se focaliser sur leur barre de vie. Les esquives sont bien présentes, mais bien moins efficace que les autres jeux de la licence. Le trophée platine te demandera de refaire le jeu en NG+, au moins une fois en entier, et c'est bien là que tout ton potentiel se réveille. Tu affrontes les boss dans une difficulté accrue. Et même au final, si tu as plus de vie et de posture, les boss tapent bien plus fort et ont plus de PV. Les boss de fin sont de véritables challenges. Je pense notamment au démon de la haine, la chouette et Ishinashina évidemment. Le farm de compétences de fin de jeu est pénible et c'est l'un des seuls véritables points noirs du jeu, ce qui t'obligera à rester planté pendant des heures pour tuer le ou les mêmes mobs en boucle, encore et encore. Sekiro fut un véritable coup de cœur et il a rempli sa mission avec brio, celui de me procurer un véritable challenge digne des plus grands joueurs. Je vous propose de visionner un petit top de mes combats de boss que j'ai préféré avec mon propre gameplay. Bon visionnage et à la prochaine, car je ne suis pas prêt de m'arrêter en si bon chemin. You
comme un snobby.
Thank you.
Ah putain, Franck.
quand même.
Dieu.